Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais débuter avec le premier vidéo de la formation pour les débutants sur Excel. Alors, on va débuter par les premières étapes qu'on peut, ou bien les premières choses qu'on peut voir sur Excel. C'est la connaissance des cellules. Alors, Excel, c'est un tableur qui se compose de plusieurs cellules. Alors, on peut localiser chaque cellule par une colonne qu'on les voit ici, de A à B à Z. Après, on pourra avoir d'autres noms comme A, B, B et ainsi de suite, et des lignes de 1 à l'infini, de 1, 2, 3, 4, et comme ça, on peut récupérer la localisation de chaque cellule. Comme vous voyez ici, par exemple, cette cellule, c'est la cellule E8. Après, ici, c'est la zone d'écriture pour les fonctions, ou bien pour les chiffres, ou bien pour n'importe quoi qu'on veut écrire dans la cellule. Alors, on va débuter aujourd'hui, on va voir les simples opérations, ou bien les quatre opérations, comment on peut transformer ce tableau en une calculatrice qui peut nous calculer la somme, le produit, la division de 2, 3, 4, ou bien en général entre des valeurs. Alors, par exemple, je vais écrire cette cellule est égale, comme vous voyez, il s'écrit aussi ici. J'ai le choix d'écrire ici ou bien ici. Alors, égale 5 plus 6. Alors, automatiquement, il va m'afficher le résultat de l'opération. La cellule suivante, je vais écrire par exemple 8 divisé par 2. Ça me donne directement la valeur 4. Après, ici, j'ai la fonction que j'ai écrite en détail. Après, je veux par exemple, alors on a 2 multiplié par 3. Ici, ça, rien ne s'est passé parce que j'ai pas écrit l'égal. Alors, c'est obligatoirement, il faut écrire égal, puis le premier chiffre, l'opération, et le deuxième chiffre. Alors, j'ai un autre choix. C'est des fois j'active le majuscule. Alors, au lieu d'écrire égal, j'écris plus. Alors, même plus, ça marche. Ça va marcher. Alors, j'ai écrit plus. J'ai pas fait attention. Multiplié par 3, ça m'affiche 6 parce que il joue le même rôle que le plus. Alors, après, je vais faire la dernière opération, c'est 9 divisé par, je dois écrire en premier temps l'égal, égale 9 moins 6. Alors. Alors, je peux effectuer mes opérations comme celle-ci. Alors, j'ai autre chose que je peux faire. Alors, je peux nommer cette cellule chiffre 1 et ces chiffres 2. Après, je donne des valeurs. Ici, 2, entrée, 3. Alors, je peux me déplacer entre les lignes avec entrée et entre les colonnes avec tabulation. Alors, ici, résultat, addition. Je peux tout simplement écrire ici une fonction qui va additionner le chiffre numéro 1. Je vais cliquer directement sur la cellule qui concerne le chiffre numéro 1. Alors, c'est la cellule E, c'est la cellule E4 plus le chiffre de la cellule E5. Après, entrée. Alors, comme vous voyez ici, il va faire la somme des valeurs qu'il existe dans ces deux cellules. Alors, dans le cas où je change la valeur de la cellule, même le résultat ici, il change. Alors, on va suivre ces opérations dans ce tableau que j'ai préparé. Alors, ici, j'ai les chiffres à utiliser, alors le 1 et le 2. Ici, j'ai deux les plusieurs opérations que je peux effectuer avec ces deux chiffres. Alors, pour la somme, si je clique deux fois, j'ai la somme de x
6 plus x 7. Pour la soustraction, j'ai la soustraction x 6 moins x 7, ça donne automatiquement moins 20. Alors la multiplication, c'est 2 multiplié par 1. Pour la division, c'est 1 divisé par 2. Alors c'est une ce chapeau ici, ou bien ce symbole, il désigne la puissance. Alors si par exemple je veux effectuer la puissance de 2, la puissance de 3, alors ça va m'écrire 8, c'est 2 la puissance 3. Alors le chapeau, il désigne la puissance. Alors ici j'ai 2 à la puissance 1, ça donne, ou bien 1 à la puissance 2, ça donne toujours 3.